Caravan SC d'Elios, donc ici un van, donc en fait un profilé à largeur réduite de 6,99 m de long, donc un profilé étroit de 7 mètres de long. Alors ici un lit central, donc en hauteur il fait 2,75 m et en largeur hors tout 2,12 m. Donc c'est un modèle qui est présenté à 55 950 €. C'est aussi le prix du modèle exposé. Donc alors quand on entre dans le véhicule, une déco moderne, hein, un salon avec une belle table, assise confortable, et un truc qui est pas mal, c'est l'extension qui est vraiment simple à gérer. Donc c'est-à-dire qu'on tire un petit peu dessus et hop, et ça fait une belle et grande table. Et si on veut la refermer, ben je sais pas trop, hein. On tire un petit peu dessus, on abaisse un petit peu et ça se remet tout seul. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu les, comment dire, le mode d'emploi. J'ai juste testé ça et ça marche très bien apparemment. Donc une belle table avec une rallonge qui vient ici. Salon Elios, un beau salon. Alors ici, cabine décaissée, un beau sky roof. Alors est-ce qu'il est ouvrant? Non, je pense pas. Mais par contre, il est de belle taille. Il est bien intégré et ça fait vraiment très lumineux. Ça doit apporter énormément de lumière dans l'habitacle. Porteur Citroën, hein. Donc Elios marque associée à Adria. Et donc ici on est plutôt sur du porteur Citroën, alors que Adria sera plutôt sur du Fiat. Donc les tissus, les finitions, c'est plutôt beau, hein. Ici, hein, on voit le travail qui est fait, hein. Les fauteuils sont confortables et la présentation est vraiment au top, hein, là. Enfin, au top, c'est pas mal, hein. Donc au-dessus du salon, on a des rangements. Alors ici, petit rangement, donc avec un vérin. Et il y a ici donc aussi deux belles niches de chaque côté. Et ici un occultant. Si on veut moins de lumière. Donc un beau petit salon, hein. Très confortable, finition. Alors les couleurs ici, c'est noir, blanc, gris. C'est très moderne avec des teintes. Un petit peu de rouge avec des coussins, hein. On apporte une couleur chaude à côté, le rouge. Mais donc c'est plutôt pas mal, moderne. Alors la cuisine. Pas d'extension ici, il y a des interrupteurs. Quand on entre, il y a une poignée de préhension. Une belle cuisine avec trois feux en ligne et un évier. Donc c'est un combo, hein. C'est un combiné gaz et évier. Trois feux en ligne. Bon, il a l'air d'être sympa, hein, les interrupteurs. Donc ici, crédence blanche, une fenêtre qui s'ouvre. Ici, on peut mettre des rangements. Et donc, au-dessus de la cuisine, on a aussi deux rangements. Un qui est partitionné et l'autre qui est non partitionné. Et donc, il y a une évacuation pour là. Ici, une hotte a priori. Petite hotte, on dirait, toute simple. Mais alors au niveau de la cuisine, il y a beaucoup de tiroirs, hein. Bon, les meubles ont l'air d'être vraiment simples, mais par contre la réalisation a l'air d'être plutôt pas mal, hein. Ça n'a pas l'air d'être trop branlant.
ça a l'air d'être, ça présente plutôt bien, hein. J'ai vu qu'il y a envie de celui-là. Là on est plutôt pas mal, hein. Donc il y a un beau plateau ici. Donc belle petite cuisine, hein. Et donc juste à côté, un grand réfrigérateur Ted Ford Slim, très haut, et puis en dessous un petit rangement. Donc belle petite cuisine, plutôt sympa. Alors on voit ici le... Alors ici il y a à la fois le skyroof et puis un lanterneau, donc ça fait un apport de lumière maximum. À l'arrière, partie couchage et partie toilette. Donc ici on est, rappelons-le, sur un véhicule large réduite, 2m12. Et ils ont quand même mis un lit qui fait une belle largeur. En pied de lit, on est à peu près à 1m85 de haut, hauteur sous plafond. Une marche ici pour accéder au lit. Alors là, on est déjà plus réduit. Beau matelas là, il y a des rangements en dessous. Donc il y a des tiroirs là, ici en dessous. Hein. Le lit peut ici être en position lecture ou en position couchage, apparemment. Accès aux petites penderies sur les côtés. Tout le monde de l'autre côté, ça va être pareil. Et puis il y a une grosse soute en dessous, apparemment. Hein. Le rangement ici, push-push. Pas facile à atteindre. Mais bon, il y a deux rangements au-dessus du lit. Des liseuses. Et un emplacement pour mettre une télévision si on veut. Alors, côté gauche, donc on est dans la chambre, on a deux petits rangements aussi ici. Minuscules, mais bon, ils existent. Et côté droit, donc on a une cloison. Ça, c'est pas une cloison, hein, c'est un genre de rideau plissé qui vient occulter, fermer la chambre, si j'ose dire. Alors, en tout cas, l'isoler de la partie avant. Un petit rangement en pied de lit et puis les tiroirs au niveau du lit, hein, pour des beaux rangements. Et pour finir la visite de ce véhicule, la salle de bain. Donc un système 2 en 1. Donc alors un toilette, un lavabo, des rangements, des rangements possibles ici. Ici donc un rideau à lamelles qui occulte la salle de bain. Donc dans la salle de bain, bon, ça craque un peu avec le... Mais bon, ça veut pas dire que ça casse. Alors si on s'assoit sous le toilette, on a normalement largement la place là. Il n'y a pas de souci. On a le lavabo ici, les lumières. Une vitre pour s'admirer. C'est plutôt pas mal. Hein. Depuis les toilettes, on a une vue sur la chambre. Jolie chambre. Hein. Avec donc des fenêtres de chaque côté et un lanterneau, évidemment. Et si on veut passer en mode douche, donc on a ici un maintien aimanté a priori. Il suffit de tirer un peu. Et là, au-dessus, là, il semblerait qu'on ait aussi un maintien aimanté. Donc si on... Peut-être si on remet le toilette bien droit pour qu'il prenne le moins de place possible. Alors, la douche. Donc ça reste...
assez petit, hein. Assez petit. En fait, là, il y a la place de chaque côté. Donc c'est peut-être plus ici où on touche presque ce truc-là. Bon, c'est pas le pire, hein. Mais donc on voit à peu près ce que ça donne. On est quand même avec un contact très proche de ce truc-là. Sinon derrière, si on veut pas coller à la fermeture. Bon, c'est pas énormément grand, mais bon, ça fait le job quand même. Donc, il y a deux bondes, ça c'est un point positif pour l'évacuation de l'eau. Donc un véhicule qui a l'air plutôt bien fini, bien pensé, qui est agréable à l'œil. Et donc ici la fermeture. Ok, il y a un système, ça par contre les accroches, c'est pas terrible, mais bon. Et donc on a ce système, on voit ici, ah ok, donc ça donne ça. Et c'est aimanté, donc voilà, ça donne ça quand c'est fermé. Et si on veut fermer la douche, ça donne un drôle de mélange, une drôle de forme, mais bon, ça fait le job. Hein. Voilà, allez, fin de la visite.